Nous sommes ici au site Pas de l'Hers depuis 38 ans. Nous avons une capacité de 40 lits et nous faisons des soins de nursing, c'est-à-dire de toilettes, médicaments, shampoing, pédiluve, petit déjeuner, aide et aide à l'alimentation. Et suivi l'hydratation. Donc c'est un service qui est composé de 9 aides-soignantes, une secrétaire, une infirmière. En plus des soins d'hygiène, on fait des ateliers mémoire pour les personnes du service. Donc on intervient soit à leur domicile ou soit les personnes viennent ici dans notre structure. Voilà, nous accueillons aussi des stagiaires régulièrement pour leur apprendre le métier d'aide-soignant ou de futures infirmières. On travaille en collaboration donc avec tous les soignants de l'ERS et des environs, donc les kinés, les orthophonistes, les infirmiers, aussi les AVS, les auxiliaires de vie, les services d'aide à la personne, qu'ils soient de l'ERS ou d'ailleurs. On travaille en collaboration avec le CCAS de la ville. On intervient en foyer logement, on intervient aussi chez d'autres patients qui ne sont pas forcément dans le service. Donc Julie, qui est soignante du service, elle est formée aux ateliers mémoire. Elle organise 4 demi-journées par semaine des ateliers avec des patients à leur domicile ou dans notre service. Elle a créé d'ailleurs cette année un potager. Donc les personnes viennent ici et cultivent des plants de légumes, de fruits ou des fleurs. Elle les emmène également visiter des jardins botaniques ou des musées, donc toujours en rapport avec un thème. Elle a organisé aussi des cours de peinture et elle va organiser donc pour la rentrée un concours avec les commerçants de la ville. Donc les participants seront les leurs soi et les organisateurs seront Julie et nos patients. Et elle participe également aux semaines bleues, donc là en collaboration avec la ville de l'Hers au mois d'octobre pour cette année.